à 8 millions d'habitants entre la Gaune. C'est une confédération. Son drapeau tricolore rouge a les principales sont Zurich, Belle, Genève, mais la capitale c'est Berne. On fait 11 millions d'habitants à Trollagun. C'est une confédération fédérale de Namorki parlementaire. Le Grand Duché de Luxembourg compte environ 500 millions d'habitants. Dans les moments plus difficiles, nous devons être forts et rester unis pour le bien du pays. Je sais qui peut décrire ma journée. Je mange. À toi, je termine mes devoirs. À 5, j'ai commis un jeu. Ce jour, j'apprends à jouer du piano. Pendant la quarantaine, je mange. M'entraîne et fais mes devoirs. Au revoir. Salut, prof. Come allevo? Mangiare, je vais mostrer la mia routine. Allora, la mattina, je me lave, je me lave e je fais les exercices. Je fais me lave et alle gâteau, je mange avec mon ami sur la PlayStation. Les Parisiens, les touristes, se retrouvent à la Champs-Élysées pour célébrer des événements importants. La rébellion du 31 décembre, l'arrivée du Tour de France et le départ de la Marathon de Paris. La place de la Bastille est le lieu symbolique de la Révolution française. J'ai faim. Que peux-je manger? Jus d'orange. Pain, beurre et confiture. Au revoir. Bonjour, prof. Je parle de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. La cathédrale de Notre-Dame est l'une des plus antiques églises de l'hostile gothique de la France. Il est dédié à la Vierge Marie. Notre-Dame est célébrée pour les Parisiens et les touristes et s'est retrouvé les pour célébrer des événements importants. L'inauguration est 1804 pour l'exposition universelle. La Tour Eiffel est le symbole de Paris. Cette cathédrale gothique a inspiré le célèbre roman de Victor Hugo. Avec quasi modo le personaggi vossu del nostro paese. Io arrivo di più parole che le ingredienti sono 250 grammi di farina, 500 ml di latte e 40 grammi di burro. Usare per agitare il burro. Buongiorno a tutti. Aujourd'hui, je vous explique un recipe facile et rapide pour réaliser des super cakes. Prenez 120 g de farine et mettez-la dans son salière avec vanille. En milieu, versez 300 ml de lait sec reposé. Voilà et bon appétit. Nous avons besoin de 6 ingrédients qui sont 400 g de lait entier, 150 g de farine zéro, ou fraise entière, un pince de sel, 20 g de beurre et 260 g. Le prêt. Mince avec l'ail. Ok, le crêpes sont prêtes.